Vous êtes sur RTL. Et c'est l'heure de l'horoscope. Absolument, l'heure de retrouver les conseils de Christina pour bien apporter ce mercredi 24 juillet. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Bonjour Myriam et bonjour à vous tous. Lion, une très dynamique conjoncture s'est mise en place, un alignement entre Mars et Jupiter qui peut accentuer votre courage, votre combativité et votre détermination. Vierge, troisième décan, Mercure et Vénus sont en phase avec vous. Né après le 17 septembre, l'un de vos rendez-vous ou un contact pourrait s'avérer plus que positif. Balance, vous bénéficierez de l'alliance entre Mars et Jupiter. L'extension du domaine des projets n'étant pas une vue de votre esprit, l'un d'entre eux va faire des petits. Scorpion, le soleil est en dissonance avec Uranus si vous êtes du premier décan et vous voilà de nouveau sur les nerfs, angoissé et déstabilisé. Ça ira mieux si vous lâchez prise. Sagittaire, j'espère que Jupiter est positif pour votre deuxième décan et si c'est le cas, vous serez au top grâce à son entente avec Mars, vous pouvez tout tenter, tout oser. Capricorne, le soleil est entré hier en Lion. Je vous ai parlé des questions concernant l'argent, mais il met aussi l'accent sur le conflit, hein, la rivalité et surtout la jalousie. Verseau, l'important pour vous, c'est de vous sentir libre de toute contrainte. Or, ce n'est pas le cas en ce moment. Une situation vous pèse plus qu'elle ne devrait, premier décan. Poisson, troisième décan, vous avez des atouts ces jours-ci. Mercure, Vénus sont en phase avec vous. Et si vous voulez mettre quelqu'un dans votre poche, c'est le moment. Bélier, le deuxième décan attire la tension. Ces jours-ci, Mars et Jupiter vous incitent à prendre des risques alors que la voix de la raison, Saturne, vous en empêche. Taureau, le troisième décan vole la vedette aux autres, en tout cas dans le domaine des négociations et échanges commerciaux. Vous serez extrêmement convaincant. Gémeaux, attention, deuxième décan, l'aspect de Jupiter et Mars peut vous inciter à exagérer vos comportements et à donner l'impression que vous ne savez pas vous canaliser. Cancer, vous allez devoir affronter une discussion un peu vive, troisième décan, et on peut penser que c'est parce que vous voudrez absolument imposer votre point de vue. Bonne journée. Bonne journée et merci Christine. Merci Christine. Et pour en savoir encore plus sur votre horoscope 2019, retrouvez les affinités et toutes les dates clés avec Christine Haas toujours au 3210 50 centimes la minute et sur rtlastro.fr.